Coup dur pour le prince Harry et Meghan Markle. Quelques mois seulement après la démission surprise de l'assistance personnelle de la duchesse de Sussex, une deuxième personne vient de claquer la porte. Selon les informations du Daily Mail, Samantha Cohen a décidé de quitter la famille royale après 17 ans de bons et loyaux services. La reine a prêté à Meghan Markle l'une de ses plus fidèles assistantes, explique le tabloïd. Elle a déménagé de Buckingham Palace à Kensington Palace et la duchesse de Sussex est dite être prête pour 6 mois d'écoute. Surnommée la Panthère, Samantha Cohen œuvrait dans l'ombre pour permettre à Meghan Markle de s'intégrer au mieux dans la famille royale britannique. Mais visiblement, le caractère trempé de la duchesse de Sussex n'a pas plu à l'Australienne. Elle aurait tout de même décidé d'attendre le printemps prochain, et la naissance du Royal Baby, pour quitter ses fonctions. Dans les rangs de l'équipe de Meghan Markle, il ne fallait pas plus pour lui trouver un surnom peu glorieux. Désormais, son staff l'appelle la duchesse difficile, selon l'Express. Il y a quelques mois, son assistante Melissa Twabotty avait déjà décidé de démissionner. En cause, le comportement de Meghan Markle. Selon des informations du Daily Mail, Melissa Twabotty n'aurait pas supporté la pression qui pesait sur ses épaules. Son poste était soumis à une très intense pression et, au final, ce n'était trop, a confié une source aux médias britanniques. Elle a dû supporter beaucoup de choses. Meghan lui en demandait beaucoup et elle a fini par fondre en larmes. Point. Il valait mieux pour toutes les deux qu'elles suivent des chemins séparés.